Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais visiter une rizière avec un guide local. Ça m'est pas venu super cher. Vous négociez une quinzaine d'euros et en fait le local vous montre un maximum. Vous apprenez un maximum sur les fruits. Comme ma vidéo il y a deux jours. Ça va être super sympa. Donc on va visiter une rizière. Je suis actuellement à Bing Bing. Voilà, c'est super sympa. La nature, si vous aimez la rando, c'est un paradis sur terre. Bon, il y a énormément de branches par ici en fait. Et le mot qu'il faut savoir c'est Hati Hati. Ça veut dire attention en fait en indonésien. Apparemment l'indonésien c'est une langue très facile, c'est la langue la plus simple au monde car en fait il n'y a pas de conjugaison, ça s'apprend très rapidement. J'ai envie de m'y mettre, ça peut être très sympa d'apprendre quelques mots et du coup c'est toujours mieux de discuter avec des locaux même pour négocier. Fantastique à Bali, c'est que vous regardez juste au-dessus, vous voyez des tas de fruits, c'est extraordinaire. Hati Hati. Yeah. Hati Hati. Voilà, je commence à rentrer vraiment dans le vrai Bali. Là je suis au milieu des rizières, c'est fantastique. Là je commence à rentrer dans le vrai Bali, au milieu des rizières, c'est juste fantastique. Au milieu des bananiers, des cocotiers et des locaux, les gens sont super souriants. Franchement c'est affolant quoi, ils sont simples, ils sont toujours dans le souriant, ils se marrent tout le temps. C'est franchement on devrait prendre exemple. Et voilà juste devant vous en fait il y a du riz. En fait le riz est en train de sécher, vous voyez. Donc là il est tout jaune le riz. Quand le riz il est jaune, apparemment il faut le faire sécher 3 jours et après il faut utiliser une machine pour enlever en fait la peau et après le riz dans 5 jours en fait on peut le manger. Voilà. Mais voilà une autre variété de riz, apparemment elle est plus chère, le Bali Rice. Regardez à l'écran. C'est impressionnant de toucher une viennerie comme ça si près. En fait ce qui est super intéressant c'est que le guide m'explique que ses parents ils ont leur propre réserve. Et ça leur permet en fait de manger et de vivre en fait. Car ils vivent essentiellement avec leur propre production. Et il faut savoir qu'à Bali en fait, tout le riz qui est produit c'est uniquement pour la production locale. Voilà. J'espère que ça vous intéresse ce petit reportage. Je suis pas spécialisé sur l'Asie bien sûr, c'est des vidéos bonus. Mais je pense que ça a vraiment un intérêt sur ma chaîne YouTube. Car Bali est juste à côté de l'Océanie et du coup il y a beaucoup de backpackers qui se passent par là. Et j'espère que ça vous intéresse énormément. N'hésitez pas à mettre un petit comme. Allez on continue pour la visite. Pour la Bali, c'est qu'elle a vraiment pas tous les budgets, vous pouvez vivre pour 10 euros par jour et jusqu'à 500 euros par jour. Je veux dire, ça dépend vraiment. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Les contrastes sont très extrêmes. Probablement, quand tu es backpacker, tu peux t'en sortir pour 20-25 euros par jour, je pense, en vivant correctement. Si tu veux plutôt être dans le luxe, faut plutôt vivre pour 100 euros par jour. Et pas cher, tu peux, à mon avis, vivre pour 10-12 euros par jour. Donc, ça qui est très bien à Bali, c'est que voilà, il n'y a pas besoin d'être très riche pour voyager ici. Allez, oh. Bonjour, comment t'appelles-tu? My name is Madi. Madi? Yeah. Damien? Madi. Madi Adiana. Adiana. Mon nom est Damien. Yeah. En fait, je suis en train de lui expliquer au guide qu'il y a de la neige en France. Snow? Snow. Snow, no snow. No snow here. No snow in Bali. Il n'y a pas de neige à Bali. Il n'y a jamais eu de neige et c'est juste incroyable de comparer les cultures en fait. On se rend compte qu'on est totalement à l'inverse, c'est extraordinaire. Si vous n'aimez pas les lieux touristiques, cet endroit est parfait. Je viens de demander au guide, en fait il n'y a pas de touristes ici. Donc ça c'est un super moment que je vous propose. Car en fait dans la rizière Jalwif, c'est la rizière la plus connue de Bali, mais elle est très très touristique et du coup ça gâche un peu son charme. Donc si vous aimez être seul en nature et prenez un guide pour quelques dizaines d'euros, vous apprenez énormément de choses. Vous pouvez voir directement en bas à droite, je suis situé actuellement. Je vous mets aussi le nom de la ville. Et là franchement c'est extraordinaire. Je suis en train de rencontrer une femme en fait qui est en train de travailler dans une rizière juste derrière. Et en fait elle a le sourire. Pour elle c'est totalement normal et ça je trouve ça fantastique. Les choses simples sur terre sont les plus belles. Et regardez, elle est en plein canard, il doit faire 35 degrés. Elle a le sourire de ce qu'il y a avec le guide. Franchement, il se contente du peu, mais justement, c'est ça le plus important à la vie. Ah, ça monte, hein, les amis. Faut être en forme. Voilà un repas typiquement indonésien. Chicken saté avec le riz, la petite sauce. Cacahuètes. Et les brochettes, juste là. Ça va être un régal. Et voilà, le repas est terminé. Franchement, j'ai mangé super bien pour à peine 2 euros. Et je sais pas si vous voyez la vue, il y a la rizière juste derrière. C'est un truc, c'est magique. Regardez la vue, c'est un paradis sur terre. Les gens sont super souriants.
ils reviennent souvent vers vous, ouais c'est bon, tout se passe bien, enfin bref. Les locaux, ils ont vraiment une approche totalement différente par rapport à mon expérience que j'ai eue en Thaïlande. Après 2 heures de route, depuis les réserves, je suis arrivé à Ubud. J'ai passé aujourd'hui plus de 5 heures en transport. Je viens de passer donc du nord-ouest au centre, ça m'a mis environ 4-5 heures. Donc pour passer d'un côté à un autre, il faut environ 8 heures. Voilà pour vous rendre compte après des distances. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Je vois qu'il y a des gens qui sont de plus en plus actifs, qui mettent des commentaires, des likes, voilà, il y a l'activité sur la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir de vous partager mes vlogs à Bali. Je vous donne rendez-vous à demain pour une visite très chargée. Salut les amis, à bientôt.